Est-ce qu'il y a des animaux vous, qui vous manquent? Eh oui, pareil, bon, bah, c'est vrai que le loup, j'aimerais bien faire mieux. J'ai réussi à l'avoir. Là, ça fait 25 ans que j'en rêve. J'ai réussi à l'avoir là, cet automne. Mais je sais que je vais y retourner l'automne prochain parce que bah, j'aimerais l'avoir mieux, hein, vraiment encore plus près, etc. Vous l'avez eu comment l'automne dernier, justement? C'était avec l'automne dernier, ouais, ouais. Ah, pour le film, quoi. Pour le film, ouais, ouais, c'était super parce qu'on a... Bon, il y a Jean-Michel qui suit les loups, etc., qui pose des pièges vidéo, etc., pour essayer de voir où ils passent, ou voilà, comprendre. Et c'est la période, la période où ils viennent nourrir les jeunes. Donc c'est un moment où on peut les entendre, ils vont s'appeler. Mais malgré ça, c'est pas évident. Hein. Pendant des années, ils les ont entendus que quelques fois. Et là, moi, j'ai réussi, en étant sur site, à avoir 5 séquences. Mais ils étaient quand même à 400 mètres. Pour faire un son, donc j'ai un son qui est un peu lointain, mais quand même. Et vous les avez vus visuellement? Non. Non, non, non. Ah ouais, juste entendu. Ouais. D'accord, et vous préférez pas que les entendre plutôt... Ah bah là, par rapport à mon métier, c'était super, ah. C'était énorme. Je préférais les entendre que de les voir, c'était la priorité. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, il me reste à les voir. Et c'est quoi alors le son d'un loup, finalement? Alors là, à ce moment-là, en fait, c'est souvent, il y a un adulte qui arrive, qui va lancer un appel, donc un peu l'appel qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Ouais. Mais rapidement, si il arrive au lieu de rendez-vous, rapidement, on va avoir les jeunes qui vont répondre. Et là, donc, c'est plein de jappements, ça s'excite, il y a une excitation dans le groupe, et qui ça va durer quelques dizaines de secondes, entre 30 et secondes et 2 minutes à peu près. Et avec quel instrument on peut enregistrer comme ça, 400 mètres, c'est avec lequel? Alors là, j'avais mon système quadri, parce D'accord. que vraiment, moi, je voulais même là, pour le film, avoir la résonance, et en plus, j'avais installé ma parabole, donc ça c'est vraiment l'outil, lui par exemple, qui existait déjà quand j'ai commencé, une coupole et tout, avec un micro à l'intérieur, et là on a en fait, on peut comparer ça à un téléobjectif, quoi. D'accord. Vraiment on a le son qui se réfléchit sur la parabole, qui se concentre sur le micro, et donc là on se retrouve avec les systèmes amplificateurs, c'est le principe d'un pavillon de l'oreille, enfin voilà, on met nos mains comme ça, ça amplifie, et donc c'est ce principe là. Mais 400 mètres, on entend quand même très bien. Enfin, c'est. De toute façon, là, les loups, à 400 mètres, ça porte des loups dans la montagne et tout. C'est juste que là, le son est très bon, il est très bien. Ouais. C'est qu'il est. Et on sent qu'ils sont loin. Ouais. Normal. Mais voilà, je ne suis pas à côté. Mais de toute façon, je ne serai jamais à côté. Ils sont trop heureux, trop vigilants par rapport à l'homme.